Salut tout le monde! Si vous vous êtes déjà promené en montagne, il y a de fortes chances pour que vous soyez un jour ou l'autre déjà tombé sur l'une de ces trois bestioles. Mais est-ce que vous savez bien les différencier? Chamois, bouquetin, mouflon, on connaît tous ces noms, mais sans forcément savoir qui est qui. Non, parce que les trois font la même taille, ont des cornes et grimpent dans les rochers, donc c'est facile de s'en mêler les pinceaux. On va donc faire un rapide récapitulatif des trois bestioles à cornes de nos montagnes. Tout d'abord, le bouquetin, qui est le plus massif, le plus impressionnant et pas vraiment le plus modeste des trois, est souvent surnommé le roi de la montagne. C'est difficile de le confondre avec une telle couronne, des cornes qui peuvent aller jusqu'à 1 mètre pour les vieux mâles, ce qui peut parfois être très utile. Cet ancêtre de la chèvre domestique peut parfois peser jusqu'à 100 kg, mais ça ne l'empêche pas de savoir grimper à la perfection, comme en témoignent ces images bien connues qui ont souvent fait le tour du net. C'est le plus facile à observer des trois, il n'a pas peur de l'homme, pour la simple et bonne raison qu'il n'est plus chassé depuis longtemps. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de ses deux cousins. Beaucoup plus élancé et élégant, le chamois ressemble quant à lui moins à une chèvre qu'à une antilope. Des petites cornes recourbées, un joli visage blanc et noir, et un pelage qui passe du beige en été au noir en hiver. Il est presque aussi agile que le bouquetin dans les rochers, mais c'est surtout une bête taillée pour la course. Un cœur balèze, des poumons énormes, 4 fois plus de globules rouges qu'un humain. Alors que les meilleurs trailers du monde sont capables d'avaler 1000 mètres de dénivelé en 30 minutes, le chamois, quant à lui, fait de même en moins d'un quart d'heure. Ça vous épate, hein ? Finalement, reconnaissable grâce à ses cornes recourbées qui tournent en spirale, le mouflon vient de Corse et du bassin méditerranéen et n'a techniquement rien à faire dans les Alpes. Il a été introduit dans les années 50 lorsque les chasseurs qui commençaient à manquer de chamois sur lesquels tirer se sont dit que ce mouton sauvage pourrait faire une cible intéressante. Il s'est plutôt bien adapté, il est à l'aise dans les rochers, mais le souci quand on vient du chaud c'est qu'on n'est pas vraiment habitué aux hivers alpins. C'est pas possible, il faut au moins 8000. Voilà pour ces trois animaux à cornes communs dans nos montagnes, vous les trouverez lors de vos randonnées à proximité des grandes pentes et des parois rocheuses, donc prenez une paire de jumelles avec vous et gardez l'œil ouvert. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, ouvrez les yeux et les oreilles, et je vous dis à bientôt.